pam pam oui, c'est la même musique qu'il y a plus de 20 ans. Déjà. Et ouais, je joue à Crash Bandicoot Insane Trilogy. Qu'est-ce que c'est que Crash Bandicoot Insane Trilogy? Si vous ne saviez pas, vous avez hiberné. Eh ben, c'est la remasterisation de ces jeux-là. Voilà, ces bons vieux Crash Bandicoot de la PlayStation. Regardez, on les voit mal. Hein, là, voilà. On voit que... Oui, moi, j'ai encore les miens sur PS1. Hein. Je suis très fier. Donc, voilà, ils ont repris... Les bons vieux crash de la PS1, ils en ont fait. Ils les ont lissés, ils les ont nettoyés, ils ont refait les musiques, tout ça. Et on a quelque chose qui est identique en fait à ce qu'on avait sur PS1, mais hein, vraiment plus propre quoi. Donc voilà, j'avais plutôt hâte d'y jouer. Parce que Crash Bandicoot, c'est quand même un des jeux qui a été important. Vous rendez compte, c'est sorti en 96, et je crois que depuis sa sortie, et depuis sa belle 3D surtout, il a instauré un nouveau genre avec la 3D et tout quoi. C'est quand même assez fort. Donc je rappelle, c'est développé par Vicarious, hein, c'est un studio d'Activision, hein, je crois qu'il bosse sur les trucs, les figurines, là, les Skylanders normalement. Et puis la base évidemment, Crash Bandicoot est d'une série développée en 96 par Naughty Dog. Et donc les 3, 96, 97 et 98 hein, pour les 3 sortis sur PlayStation. Allez, on y go. Ok. Bouga bouga. Ah d'accord, ok. Donc l'écran de sélection des jeux, c'est ça. C'est un chargement sur l'écran de sélection des jeux. Ah, la licence est politique. Ah, je vais l'accepter. Ah, ça se passe comme ça, regardez. D'accord. Donc allez, nouvelle partie. Hop, on va voir comment ça se passe sur cette nouvelle version. Et donc ouais, j'ai vu ça là tout à l'heure avec ce cher Menepsis, les bons trophées. Il y a 3 platines sur cette compilation. Moi, être très heureux. Imbécile, ce Bandicoot sera mon général. Et il guidera mes commandos cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Préparez la femelle, Bandicoot. Un échec, mais quel échec. Rien qu'à l'époque, je me souviens que je comprenais pas pourquoi Crash Bandicoot, il avait l'air complètement teubé et qu'il avait... Bah, sa femelle, elle était trop bonne. Même à l'époque, sur PlayStation, elle avait des formes, tu vois. Ça, tu dis, ouh, quand même, c'est pas chier, Crash. Donc, regardez. Oh, c'est quand même très joli. Honnêtement, c'est très propre. Alors, bon, bah, c'est... Alors, pour ceux qui ont vu la version PlayStation à l'époque, c'est exactement la même. Hein. Ça a pas changé du tout, en tout cas, sur le... Évidemment, graphiquement, hein. Sinon, ça sert à rien. Mais ça a pas changé du tout sur le gameplay, les circuits, je sais pas comment dire du coup avec Crash. Des niveaux, on va dire des niveaux parce que c'est particulier, mais ouais, c'est des niveaux. Donc allez, on est parti. Alors, tourbillonner, ouais, je sais. Alors normalement, voilà. Ah, je sais plus ce que c'est. Le masque me protège, je crois. Je peux me faire toucher une fois. Non. Alors, je crois qu'il faut absolument sauter sur les pommes. Ça fait sur les caisses avec les pommes. Pour en avoir plus. Et donc, je vais essayer. Je vais essayer de faire mon mieux pour faire la meilleure partie possible. Alors ça, je crois que quand les caisses sont en métal comme ça, qu'il fallait activer un truc, un interrupteur, qui va fragiliser la caisse. Je crois. Hein. Merde. Eh oui, ça faut faire attention, c'est que des fois tu libères des pommes.
Et tiens, ça c'est un checkpoint. Et en fait, si tu shootes dedans, bah elle part. Ah, oh, ça y est, regardez, là je suis invincible. C'est vraiment hyper joli quoi. C'est agréable parce que bah on a les bonnes vieilles musiques qu'on avait à l'époque quoi. Ça a pas changé de ce côté là. Je sais pas, je vais à gauche, droite, je sais pas. Toc. Alors, Non ! Mais pourquoi t'as pas sauté ? Ouais, c'est les caisses, ça, en fait. Putain, je sais plus du tout. Super, mais tu as raté... Tu as raté 10 boîtes, mais elles étaient où ? Comment j'ai fait pour rater 10 boîtes ? Les îles Wumpa. Avec le fameux masque là. Ça, c'est un emblème assez reconnaissable de Crash Bandicoot, quoi. Ah ouais, et puis ça fait comme... Bah ouais, et voilà, c'était ça, la sélection de niveau, c'était ça. Évidemment, il y avait une île... plusieurs même, je crois. Et puis on tournait autour pour récolter des trucs. Et on voit que d'ailleurs, il y a des collectibles. Je sais plus du tout comment récolter tous les collectibles. Le diamant et tout, je crois qu'il faut avoir toutes les caisses. Mais franchement, ça remonte à trop loin, quoi. Jungle Rollers. Et normalement, un niveau de Crash Bandicoot est censé le faire assez vite, quoi. C'est-à-dire que moi, je prends vraiment trop de temps, parce que j'essaye de tout faire. J'essaye de pas mourir. Et je vous l'avais dit, hein, c'est une catastrophe, moi, quand je joue à ça. Alors. Mais logiquement, ça se fait très vite, d'ailleurs. Toute la trilogie, je fais... Vous avez vu, j'ai envoyé une pomme de valser là. Toute la trilogie, je fais vite. Ah, la TNT. Alors, pouc. Voilà. Je peux faire ça, je crois que je peux attendre qu'il y ait une pomme dedans. Pas du tout. Ah, putain. Puck. C'est... Par contre, c'est super agréable. Ils ont vraiment fait un beau boulot parce que... C'est vraiment très, très, très propre. Oh! Bon, bah en fait, ça va. Ils peuvent mourir comme les autres. Il y a des choses là-haut ou pas, je sais pas. Alors, les fameuses séquences de plateforme classiques. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Le petit machin avec la copine de Crash, Coco. Qui permet, si je me souviens bien, de débloquer un niveau bonus. Je crois qu'il y a ça dans chaque niveau. Hein. Hop. Voilà, on est bien. On n'est pas bien. Ok, le petit checkpoint. Point de contrôle. Allez. Et ça, il faut absolument le faire. C'est-à-dire, en fait, si je détruis le truc de pomme normalement, c'est-à-dire si je donne un coup dedans, j'obtiendrai pas toutes les pommes qu'il pourrait me donner. Donc le mieux, c'est de sauter dessus. Quoi. Ah, l'autre. Voilà, l'autre. De coco, encore un, et je pourrais peut-être choper le niveau bonus. Ah, alors là, voilà, bon bah c'est pas grave, il fallait bien que je le fasse, hein, c'était pas drôle. Encore, je me débrouille mieux qu'avant, parce que je me souviens avant. Je sais pas, j'avais... Ah, là, voilà. J'ai débloqué le niveau bonus. Avant, je sais pas pourquoi, je refusais de taper sur les bestioles. J'étais obligé de leur sauter dessus. Un réflexe de Mario, j'en sais rien. Ce qui veut dire que mon avancée était très lente. Donc voilà, les niveaux bonus, c'est ça. C'est... je crois qu'ils sont toujours comme ça, sur un plan... sur un plan horizontal. Et donc, bah, suffit de récolter les pommes pour choper des vies. Faut juste faire gaffe à pas tomber, hein, c'est simple. Alors là, c'est le premier, il est assez simple, hein, forcément. Par la suite, il y aura des caisses un peu partout, où ça sera plus compliqué. Voilà, et là, il y a, regardez, c'est ma meuf.
Mais c'est comme Peach en fait, hein. Dès que tu l'approches, hop, il y a le méchant qui arrive et qui l'embarque. Allez. Alors moi, j'ai quand même du mal avec cette caméra. Où on va en profondeur comme ça. Donc j'ai du mal à apprécier les distances et par exemple à voir les fossés, des trucs comme ça. Alors super, mais tu as raté 3 boîtes. Voilà les trous, des choses comme ça. Par exemple, surtout si ils sont derrière un obstacle quoi. Allez, The Great Gate. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme temps de chargement entre les niveaux? Ça, je sais pas si c'est rétro, par contre. Alors. Hop. Ah oui, encore un niveau assez particulier. Ah ouais, parce que des fois, Crash Bandicoot, ça se joue aussi. Hop, à la verticale. Alors, attends. Alors, moi, je me souviens que ça, à la... J'en chiais à mort. Donc ça... Ah non putain, ça va pas être marrant, ça va pas être marrant. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas joué à Adibou? Allez, hop, la tortue. Ça, c'est vraiment pas un sympathisant des animaux hein, le truc. Les animaux, les plantes, allez bim. Allez, je peux taper sur le singe ou pas là? Non, non, non! Oh la saleté! Oh, heureusement que j'avais mon masque! Mais c'est. Par contre, vraiment, honnêtement, c'est impressionnant comme c'est joli, hein! Ah, la petite pirouette là qui m'a permis de récupérer la vie. Alors. Ouais, d'accord. On tape dessus. Comme ça, on réarrange la plateforme. Hop. Non! Dès qu'il s'agit de grimper, c'est plus possible, quoi. Allez. Bien. Oh, le checkpoint. Tu es le bienvenu, monsieur le checkpoint. Alors, les singes. Poc. Ah oui, je peux leur taper dessus, évidemment, quand... Non! 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 Et oui, il fallait sauter sur l'ennemi pour récupérer cette caisse. J'ai vu que trop tard. Là j'ai eu peur par contre. Oh! Ça m'en fait 2. Oh putain! Ah oui, c'est vrai! Alors ces ennemis là, je les appelais les Mireille Mathieu. Bah allez, hein, casse-toi. Parce que je trouve qu'au niveau de leur coupe, il y a quelque chose quand même. Si déjà j'arrive à ne pas mourir, et bah je suis plutôt fier de moi, tu vois. Allez, les singes. Voilà, pas peur. Ah, le petit saloperie, quoi. Voilà. Yeah ! Oh, mais non ! Allez, tac ! Ah, bah attends. Ah, il est revenu, lui, là-haut. Hop. Ah, crash, même sauter sur une tortue, il a du mal, hein. Ah, là. Ah, hop, on attend. Ah, ok. Je prends pas trop de risques, je fais gaffe. Ne vous inquiétez pas. Non! Tiens! Ah! Le petit coup de pied au cul! Saleté, quoi. Je suis sûr qu'il y aura un truc à faire à un moment avec les boucliers, là. Faudra leur sauter dessus pour récupérer un bonus. Ça, c'est chiant, cette vase verte, là. Ça me fait glisser. Alors, il y a lui. Voilà. Et voilà! Oh! Ah mais ça c'est un vieux piège quoi. Là-bas il y a des flammes et tout mais... Ok. Ah je me disais je pouvais pas avoir oublié un emblème de coco, ben non. Il est juste là. Donc niveau bonus. Alors, ici il faut juste que je fasse gaffe à la TNT en bas, c'est pas très grave.
Alors une fois que t'as perdu, comme moi, le niveau bonus, tu peux y revenir. J'ai dit une connerie, je pensais qu'on pouvait plus revenir. Bizarre, il semblait qu'on pouvait pas. C'est pas grave. Donc voilà, en fait la caisse qu'on voit là, active, c'est machin qu'on voit là-bas. Donc, alors attends, hop, hop. Voilà. Je prends vraiment des risques en fait, je devrais pas jouer comme ça. Et ça me fait 2 vies. Et tant mieux parce que je vais courir après les vies, je sens. En fait, j'aime bien Crash Bandicoot finalement, je crois, mais c'est le jeu qui m'aime pas. Crash Bandicoot, l'animal qu'on joue. Qu'est-ce que c'est? Voilà. On joue quoi? Mais tu as raté 9 boîtes, mais sous ces putains de boîtes. Bon, boule d'ours. Allez. Hop, ah oui. Alors ça, putain, alors. Plus représentatif que ce niveau pour Crash Bandicoot, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. C'est les fameux niveaux putes. Regardez l'expression de Crash, elle est super cool, je trouve. C'est les fameux niveaux putes où en fait, tu vois pas devant toi. Et du coup, comme tu dois te dépêcher, tu meurs. Et je peux vous garantir que, ouais, des morts, j'en ai connu. Alors au passage, il y avait Crash Bandicoot dans le dernier Uncharted. Et je crois que c'est ce niveau-là qui avait été sélectionné, il me semble. Ouais, c'est bien celui-là, je reconnais un petit peu. Ok, checkpoint. Bon, pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Et là, par contre, j'ai failli tomber. Voilà, putain, je déteste ça. Enfin, je veux dire, c'est presque du die and retry, quoi. J'essaye de choper les caisses. Je veux pas les laisser... Oh, regardez. Oh, c'est mignon, par contre, j'aime bien la mort. Je veux pas les laisser partir, les caisses. Je les veux toutes. Je veux les caisses. Déjà que je comprends pas comment on les chope toutes. Mais ce qu'il y a, c'est que... voilà, c'était le truc illogique, j'ai toujours trouvé ça illogique sur Crash Bandicoot, je me demandais mais... Pourquoi cette caméra là quoi? Pourquoi une caméra où tu vois pas? Ok, après... Oh, j'ai tout chopé alors! J'ai eu le diamant! Attends, ça veut dire que j'ai chopé toutes les caisses? Ça doit être ça. J'ai une clé là, je sais pas ce que c'est. Balaba! 9% terminé, ouais, ça va vite, Crash Bandicoot, hein, ça va très vite. Un panda chou, un mars, c'est un marsupilami. Ouais, faudra me dire ce que c'est qu'un marsupilami. Un renard perdu, c'est ce que je pensais quand j'étais petit aussi, hein. C'est un animal à chaussures rouges. Il y a des gens, je suis sûr que vous savez. Alors ceux qui le savent, évidemment, ils ont rien dit. Ah là, bah oui, c'est un bandicoot. C'est un bandicoot. C'est pas un animal très connu, et en plus, le pire, c'est que... Bah vous allez sur Wikipédia, vous regardez bandicoot. Bah ça ressemble pas du tout à ça. Je sais pas où les mecs ont été chopés ça. Pour moi, quand j'étais petit, c'était un renard. Je voyais la pub avec Crash Bandicoot, j'ai dit, ah tiens, c'est un renard. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Crash Bandicoot, mais c'est un renard, tu vois. Upstream. Et ouais, ça, c'est vrai que ça va super vite, en fait, un niveau de Crash Bandicoot. Hein. Là, on peut le terminer en quelques minutes. Et on voit que je vais vite faire le tour de ma petite île, là. Alors, oh, ça, je m'en souviens. Alors, j'ai déjà un... Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu mon masque déjà? Or qu'il n'y avait rien. Alors par contre ça c'est hyper chiant. Je trouve que c'est les niveaux putes parce que... Bah encore une fois j'ai du mal avec la distance dans ce jeu et... Enfin avec cette caméra. Donc tiens vous avez vu j'ai fait une connerie, j'ai tapé la caisse de pommes. Ah ouais d'accord c'est le poisson quoi qui m'a chopé. J'ai tapé la caisse de pommes et bah faut pas. Faut sauter dessus pour avoir plus de pommes.
Alors attends, ouais, j'ai pas été très prudent avec ce putain de poisson là-bas. Et il y a quelque chose qui me fait bizarre aussi également. C'est que, et bah forcément, avec ce Crash Bandicoot, je peux utiliser le joystick analogique. Chose qui n'était pas possible sur PlayStation. Je me souviens que ça m'avait fait criser à l'époque où j'y avais rejoué. Allez, le checkpoint, merci. Non. Il sait pas nager, hein. Ça doit être ça, le bandicoot, ça doit pas savoir nager, cette saloperie. Mais ça, en fait, j'avais peur de me choper la bestiole, le poisson. Ah, alors là, hop, on se dépêche, pas grave. Pas très agressif, ces petites plantes. Putain! Voilà, quand je disais que ça allait être problématique. Ça va, j'ai 10 vies, mais je vais vite les utiliser, hein, vous allez voir, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'en fait, moi j'étais pas super fan de Crash Bandicoot, je me souviens, je trouvais pas ça marrant à jouer à cause de ça, je passais mon temps à crever parce que j'arrivais pas à voir où se shooter, quoi. Puis j'y ai joué trop tard et je pense que du coup, j'ai pas... Techniquement, Oh, il m'a chauffé. Techniquement, je trouvais déjà pas ça impressionnant à l'époque. Or, je pense que c'est ça qui a marqué les joueurs, quoi. C'est qu'en fait, cette belle 3D à l'époque, ça devait être impressionnant, quoi. Bon, il faut se dépêcher. J'ai pas une seconde pour réfléchir sur l'espèce de plante avec des dents là. Par contre, les musiques sont très agréables. Ok, une petite vie. Et j'aurais pas dû faire ça. Oh putain, ça s'est bien passé, mais alors je. Non! J'aurais tellement pas dû. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est quoi ça? Alors, Je peux pas. Pourquoi je peux pas y aller? Je sais pas. Fallait une caisse avec un. Avec un point d'exclamation, je crois. Allez, un petit checkpoint. Allez, vas-y, je vais attendre. Ok, allez. Hop. Ah, ça doit être le niveau bonus. Voilà, c'est le niveau bonus. Bon, celui-là, on va essayer de le faire sans crever une fois. Surtout, ne pas faire comme j'ai déjà fait, c'est-à-dire aller dans l'espèce de tornade orange. Hein. Ok, c'est bon. Ne pas aller dans la tornade orange alors qu'on n'a pas récolté nos vies. Hein. Parce que du coup, on ne les a pas. J'avais fait ça. Allez, ça c'est bon. Hop. 32 sur 36. Je sais pas, il me manque des trucs. Peut-être qu'il faut rejouer les niveaux en fait, je m'en souviens plus. Mais tu as raté 4 boîtes, mais c'était où? Papou. Ah, c'est un boss! Je m'en souviens de celui-là. Eh oui, il y a des boss dans Crash Bandicoot. Ils sont bien nourris les indigènes ici. Hein. Donc, alors, par contre, je crois qu'il va tourner sur lui-même, il faut juste... Voilà ce que j'avais dit, faut juste éviter son truc. Oh putain! Et même en sachant ça, j'ai réussi à mourir. Pour dire à quel point je suis mauvais, quoi. Regardez, on voit la tirelire. Parce que moi j'appelle la tirelire, évidemment. Hein. C'est l'arrêt des fesses! C'est le charme du plombier, vous voyez? Petite référence à Mario, vous croyez? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais attendre ou... Non, je crois qu'il faut que je lui saute sur la gueule, non? Peut-être, je sais plus. Ah, c'est ça! C'est ça. Je dois lui sauter dessus. Poc. Mais c'est super simple. Poc. Ah! J'ai perdu à cause de la perspective! Tiens. Allez. Poc.
Blablabla. Il est pas content. Allez, encore une petite fois. Voilà, c'est fait. J'aurais pu faire ça sans crever une fois. Hein. Mais ça, c'est si j'étais bon. Il n'a pas pu gagner. Voilà, GG à la traduction française des trophées. Il n'a pas pu gagner. Le mec a dû chercher ça très longtemps. J'imagine qu'il s'est réveillé en pleine nuit et qu'il a dit « J'ai le nom !» Il n'a pas pu gagner. Alors, Rolling Stone. Attends, mais c'est quoi ça? Ça, là. Machine temporelle de coco. Quoi ce bordel? Tu veux qu'elle participe à ton aventure? Ah oui, on peut jouer Coco maintenant. Tiens, on va essayer. Appuie sur R2 pour passer à Coco. Voilà, on peut jouer Coco. Changer de héros. Une des nouveautés, une des rares nouveautés ajoutées à Crash Bandicoot, enfin le remaster de quoi. Et je crois que c'est, au niveau du gameplay, ça va pas changer grand chose. Elle est plus grande. Alors je sais pas, peut-être que ça peut aider. Je sais pas trop. On va voir ça tout de suite. Quoique. En fait, elle a l'air plus grande, mais pas ici. Elle a l'air plus grande dans les cinématiques où elle est bonasse. En fait, pas tout à fait. Donc je reviens sur ce que je disais. Il ne faut pas faire comme moi et confondre Tona, qui est donc la bonasse que l'on sauve dans les stages bonus et qui se fait enlever par Cortex, et Coco, qui est la sœur donc de Crash Bandicoot. D'ailleurs, Tona, qui est le personnage qu'on ne reverra plus. Il a été abandonné parce que justement, elle était trop bonasse, je pense. Donc voilà, c'était important d'ajouter cette précision. Et du coup, j'allais dire, peut-être que je vais choper un emblème avec Crash. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer quand je ferai les niveaux bonus? Je vais voir une autre... Ah! Oula, il faut pas... Voilà. Je vais voir une autre Coco. Putain. Allez, petite vie. Et... Le checkpoint, tout c'est bien, on est bien. Quoi? Pourquoi il m'a bouffé lui? Bon, c'est pas grave. À manger, allez, c'était bon, j'ai fait exprès, c'était pour avoir un trophée. Oui, je le savais, lol. Ok. Oula, bouga. C'est pratique d'avoir un masque quand même. C'est chiant de mot. Non! Voilà, bah c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est quand tu as un trou que tu le vois pas parce que putain, t'as un truc devant quoi. Je sais pas si vous avez vraiment fait gaffe, voilà, je vais y repasser. Voilà, là ici il faut voir qu'il y a un trou derrière, putain. Ah, d'accord, ça a tout détruit. Ok, désolé, je pensais faire plus utile. Tous les coups sont permis, ouais. Ah, doucement. Allez, un autre emblème de coco, encore un petit dernier. Et je pourrais avoir les trois bonus. Oh non. Bah j'espère que l'emblème il était pas là-haut. Parce que du coup j'ai pété. Ah non, c'était juste des pommes. Voilà, il est là. Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai shooté dans l'emblème. Allez, on va mourir. On va réparer cette erreur. Oh, mais c'est pas vrai! Ils l'ont fait exprès. Ils ont placé cette pièce ici pour nous narguer. Alors, doucement. Voilà. C'est bien, on est bien. Bon, j'aurai pas toutes les caisses, c'est sûr. Hein. De toute façon, on est habitué. Alors. C'est rigolo de jouer Coco. Voilà. Allez. Ah, bon, voilà. On va récupérer ça. Allez. Non.
Voilà, allez. Ah, il y a une petite vie qui est apparue de l'autre côté. Hop, on va récupérer ça. Surtout, ne pas laisser s'échapper une vie. Ah ouais, regardez, il y a deux cocos. Je me souviens pas, mais sa meuf a crash, c'est la grande ou c'est l'autre? Ou alors il se tape les deux, je me souviens plus. Pourquoi il y en a deux? Je me souviens plus, mais ça se trouve, j'ai jamais su ça. Hein. Je suis pas intéressé à la vie sexuelle de Crash Bandicoot, en fait. Putain! Ok, c'est bon. C'est quoi ça? Mais genre, c'est quoi ça? Je sais pas, il y a d'autres emblèmes. Alors, j'ai bien minutieusement pété toutes les caisses qu'il y avait sur mon chemin, je les ai pas vues. Peut-être que, remarquez, peut-être que c'est là. Ah ouais, ah non, ça c'est un crash. Des pop-hommes? Ah mais non. On va reprendre Crash, ça me porte pas chance. Oh c'est mignon, regardez, elle se protège avec son ordinateur. C'est vrai que ça va faire, mais je suis à rater, mais super, mais je suis à rater 24 boîtes. Hogwild. Ah. Ok, ouais, je me souviens bien de ça. Ouais, il y a plein de niveaux comme ça dans Crash Bandicoot où on peut... On peut monter des animaux. Mais alors, le truc, c'est qu'il est très lent à tourner. Ouais, je fais pas exprès, là, hein, ce que vous voyez. Je fais vraiment ce que je peux. Ouf. Ok, je crois que c'est le mec avec le bouclier qui m'a envoyé dans le décor. Par contre, j'avoue que je suis plutôt... Ah bah, même chose. Je suis plutôt impressionné parce que les... Regardez le visage de Crash au début. C'est exactement le même qu'il y avait dans Crash Bandicoot sur PlayStation. Oh putain, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu celui-là. Vous voyez ce petit... hein, avec ce petit sourcil là, ce petit air qu'il a. Et bien, il faisait exactement ça sur PlayStation. C'est fou, ils ont vraiment bien bossé les mecs. Ah, les tam-tam. Ouais, mais comment je suis censé avoir la caisse si... S'il y a le mec qui est juste devant. Bah ouais, moi j'essaye d'avoir toutes les caisses. Hein. Alors ici, faire une attaque ne sert à rien. Alors, voilà, hein, je suis... Je suis un sanglier, donc c'est pas utile. Ah, putain, c'est possible et c'est chaud. Allez, le petit checkpoint. Et pour l'instant, j'ai toutes les caisses, je crois. J'essaie vraiment d'avoir toutes les caisses. C'est quoi ça? Oh putain, y'est le tournebroche. Non. Non. Ah, c'est bon. Je suis passé. Non. Oh. Oh putain, c'est dommage, j'avais le diamant. C'est-à-dire, je les ai tous. Attends, je viens de passer la dernière putain de broche là. Elle. I. Oh, c'est bon, je l'ai passé. Oh. Et j'ai eu le diamant. Ah, regardez comme il est content. Ça m'en fait deux. Ça m'en fait deux alors que j'ai dû faire... Je sais pas, 6, 7, 8 niveaux, je sais plus exactement, là. Ouais. Native Fortress. Ah. Qu'est-ce que ça va être? Alors, en fait, là, pour l'instant, ça me dit rien, parce que c'est que les noms et tout, mais je pense que quand je découvrirai les titres, je me dirai, oh, ah mais oui, ce niveau-là. C'est une situation qui va arriver très souvent, quoi. Ah, il y a déjà un emblème de coco. Pas de coco, je sais pas. Je sais pas qui c'est maintenant, ça y est. On dirait que c'est pas la même fille que Coco, justement, qu'on peut contrôler. C'est pour ça que je me renseigne. Non, non. Le mec avait vu.
quand même que la caisse. J'avais quand même vu que la caisse était au-dessus. Vraiment, j'avais eu le temps. Mais non, 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 il a fallu que je fasse du mal à cette pauvre tortue. Et dire que pour l'instant, en fait, c'est l'edge sur les niveaux, hein. Ça va devenir bien pire par la suite. Quoi? Quoi? Je dois sauter où? Je dois sauter où? Attends, attends. Quoi? Mais c'est moi qui... Ah oui, d'accord. Je sautais pas bien, en fait. Parce que, oui, pour sauter haut... Allez, récupère la pomme. Et ben, je dois aussi appuyer sur la touche. Je me souviens pas de cette animation avec les chaussures de Crash sur la version originale. Je sais pas si ça y était. Après, ça date tellement, puis voilà, à l'époque, les chaussures de Crash étaient 3 pixels, quoi. Oh putain, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai zéro vie. À l'assaut, mes Divi que j'avais tout à l'heure, mes belles Divi là. C'était belle. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était magnifique. Tiens, va brûler toi. Oh, attends. Voilà, on va bien, hop. Ah mais en fait... Ah, Mireille Mathieu. Oh putain, une vie, merci. Ah, le petit checkpoint qui fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça, je vous avoue. La tortue, j'ai pas besoin de toi. Allez, on va attendre, on va pas prendre de risques. Très bien. Hop. Je jure que j'essaie de l'éviter, hein. Tiens. Oh, la panique. La panique, la grande panique à la fin. Ça va mal se passer, j'ai plus de vie. J'ai pas intérêt à mourir. Allez, Mireille. Poc. Fin de partie. Oh, que tu es menaçant. Oui, je réessaie. D'accord, en fait, mais cette saloperie s'active qu'à mon passage, hein. On va essayer de... On va éviter de faire se déclencher la TNT. Enfin, pas quand je suis dessus, putain. Bon, voilà. Mais je peux pas sauter par-dessus la boîte en métal. Est-ce que je peux faire, à la limite? Si je reste dessus, là, qu'est-ce qui se passe? Genre, je saute, hé. Eh ben voilà. Mais c'est ça qu'il fallait faire. J'ai été protégé par le métal. Hop. Ah, c'est bon. Ah ouais, vas-y, j'ai besoin de vie, là. Donnez-moi une vie. Alors, un destin. Voilà, c'est ça que je voulais, une vie. Mais d'accord, la bonasse aux longs cheveux blonds qu'on voit là n'est pas la même que j'ai pu jouer tout à l'heure. Hein? Hop. Puck. Allez. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai malgré tout, j'ai moins de difficultés avec la profondeur du niveau dans le remastered que l'original. Où là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à voir. Il est pas mort. Il avait un grand plat, mais non, ça va. Mais dans l'original, j'avais vraiment du mal avec les profondeurs, quoi.
Alors ça m'intéresse par contre d'aller à gauche là chercher le masque. Parce que j'ai tendance à prendre des dégâts. Voilà. Allez, prends les pommes mangue ou je sais pas quoi. Et merde. Putain. Mireille. Putain, bah voilà. C'est saloperie, saloperie d'indigène là. Allez, vas-y. Allez, passe. Non, mais j'ai sauté. J'ai donné un coup. Bon, bah allez, vas-y, attends. Je veux ça là-haut. Très pratique les tortues. Je crois dans les pierres à feu en fait. Chaque animal il a une utilité. Non. Ah oh, mais. Voilà. Tiens. Ok, on est bien. Oh mais non, mais comment tu veux que je fasse oh. Ah non, je suis mouru, j'ai perdu mon masque. Ah non, je l'ai encore, c'est bon. Oh, un checkpoint. Oh, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Ta gueule. Oh putain. Ah, j'ai senti mal tout de suite, tu vois. Je me suis dit, ça va pas passer. J'allais mourir. Tellement mourir, mec. Allez. Hop, doucement. Le truc avec les flammes là qui arrivent et les pics partout. C'est marrant les souvenirs qui ressurgissent de la version PlayStation. Hein. Alors, rien qu'à l'époque, je crois que j'avais perdu quelques cheveux à cause de ça. J'ai deux vies. Vais-je les perdre et tout recommencer à nouveau? Vous le saurez peut-être. C'est que les putains de torches sont pas toujours synchro avec les pics là. Regardez là, je dois bien attendre, et c'est pas facile d'attendre sur cette merde là. Ah, je suis passé. C'est quoi, c'est une vie? Ah ouais, j'ai bien une vie. Ah, deux vies? Ah bah, je veux bien deux vies. Oh putain, je suis passé, c'est pas grave, j'ai brûlé mon masque, mais c'est pas grave. C'est pas grave, putain, je suis jamais venu ici. Enfin, je suis jamais venu, ça ressemble exactement au truc que j'ai fait juste avant, mais non, je vous assure, je suis pas venu. Oh putain, il y a plein de vie. Oh. Oula, doucement. Attends. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je tombe. Oh putain. Attendez, ne dites pas que c'est la fin. Il me manque. Il me manque tellement de caisses. 37 sur 48. Elles sont où les autres? Et je ferai. Là, voilà, je ferai exactement comme Crash. Et tu as raté 11 boîtes. J'ai raté 11 boîtes. Yeah! Deuxième île accessible. Écoutez, vous savez quoi? Deuxième île, je m'arrête l'eau.
Voilà, c'est très bien. Alors, on continuera ça une prochaine fois. C'était bien. Je suis content de retrouver Crash Bandicoot. Franchement, c'est super cool. Le gameplay a vraiment pas changé, ce qui, pour le coup, est pas forcément une bonne chose. Mais en même temps, c'est pas un reproche qu'on peut lui faire. Et c'est mais tellement joli. C'est vraiment hyper propre de fou, quoi. Après, bon, bah, c'est un peu simple parce que là, voilà, t'as pas de gestion de la caméra dans les Crash Bandicoot. Donc, ils ont soigné ce que le joueur voit et il voit pas grand chose en fait. Hein. C'est vrai que un crash, c'est très assisté finalement. Bon, bah voilà, enfin de la caméra en tout cas. Voilà. Et ben ça m'a plu, j'ai hâte d'y revenir. Je vais certainement maintenant mordre dans quelque chose en bois et crier très fort pour évacuer ma rage. Merci de m'avoir suivi et bien à très bientôt. Voilà, des bisous.